Tcherenkov Telescope Array, CTA, et les projets d'avenir de l'Observatoire pour l'astronomie gamma des très hautes énergies. The sky, alone, an immense space of research. To explore this sky beyond its known perimeter and plunge deep into the most violent astrophysical phenomena of the universe, science can now count on a new generation of telescopes. The CTA project, for Very High Energy Gamma Ray Astronomy, a network of more than 100 telescopes of three different sizes, a state-of-the-art technology, with the aim of seeking to understand the impact of very high energy particles on the evolution of cosmic systems and better understand the most extreme and unusual phenomena of the universe. En astronomie gamma, on regarde une catégorie particulière d'objets, ce sont ceux qui sont les plus violents, que ce soit dans notre galaxie ou dans le reste de l'univers. Donc on va regarder des étoiles en fin de vie qui explosent, des supernovas ou ce qui reste après de ces objets-là, des noyaux actifs de galaxies, des trous noirs supermassifs qu'il y a au centre des galaxies, autour desquels se produisent des phénomènes extrêmement violents. Le but de CTA, c'est quand même d'atteindre en fait des niveaux de sensibilité qui n'ont jamais été atteints en fait auparavant dans ce type d'expérience. Donc vraiment de pouvoir en fait détecter des signaux qui sont extrêmement faibles. Light years away from what will be observed, and more than 3,000 kilometers from the CTA site in the Northern Hemisphere, from La Palma to the Canary Islands, the LAP on the shores of Annecy Lake in France. At the center of this project of new generation telescopes, LAP has designed and developed several essential elements of the LST telescope, masterpieces of this unique device. The astronomical data collected, and therefore the prospects for research and the hopes of future discoveries, depend on these elements. Le LAP, le laboratoire d'Annecy de physique des particules, est fortement engagé dans les projets CTA. Les contributions sont dans la mécanique, avec des structures mécaniques très avancées, mais en même temps, c'est aussi la capacité de participer avec son savoir-faire en électronique pour les contrôles de la caméra, qui est la partie sensible, qui regroupe les photodétecteurs, qui sont, pour finir, responsables de l'observation et de la mesure des photons gamma qui arrivent sur notre planète. Ou encore avec la combinaison de l'électronique et de la mécanique, donc la mécatronique, avec l'instrumentation de tous les moteurs d'asservissement, les moteurs pour les contrôles du positionnement, pour les déplacements rapides du télescope. À cela, on ajoute aussi la partie logicielle avec les informaticiens qui ont contribué à la fois avec les logiciels des contrôles en temps réel de l'instrumentation et également les logiciels pour l'acquisition et le traitement des données scientifiques. Telescopes placed on both Earth hemispheres, north and south, that are the result of an international collaboration of more than 30 countries and several hundred scientists. CTA, c'est un projet qui regroupe plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Donc c'est vraiment des énormes collaborations internationales. Et c'est ça aussi qui fait la richesse du projet. Donc on travaille avec des Japonais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols. Et le projet est vraiment issu d'une collaboration, de plusieurs pays. Et ce projet a émergé en fait de la tête de plusieurs chercheurs physiciens internationaux. A technological and technical challenge in the design of all the parts of the telescopes, but also on site in the setting up of the high mechanical structures of the telescope under the responsibility of LAP. Extreme conditions, wind, work at height, ultimate precision in every action, especially when compromising such a sophisticated technology by a false maneuver or a miscalculation, is not an option. Oui, il y a beaucoup d'humains, parce que c'est vrai qu'on passe du temps sur site au moment du montage. Donc on y a quand même passé quelques semaines et il faut quand même une équipe qui s'entende bien, où tout le monde est dans la même optique et... Et là, ça s'est vraiment c'est bien passé. On part de la conception et puis on va jusqu'à l'installation. Et là, pour cette installation, tout ce qui est montage, grutage et travail sur corde, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut faire ça.
Alors c'est une arche qui fait 28 mètres de haut. La base du miroir fait 24 mètres, donc les deux pieds de l'arche sont distants de 24 mètres. Elle est composée de 6 tubes, 3 de part et d'autre, et qui sont liés entre eux par des manchons, vissés-collés, et le cadre de caméra qui se retrouve tout en haut, qui est là pour fixer la caméra au bon endroit. C'est un cadre qui fait 3 mètres par 3 mètres. On a fait un nombre de choses assez important dans des domaines très très variés, de la conception, du calcul, jusqu'à aller serrer des boulons pendus dans un harnais à 50 mètres de haut. Il y a un monde entre tout ça, et justement c'est ce qui fait l'intérêt du travail, c'est de pouvoir toucher un petit peu à tout et aller jusqu'au bout des choses. Beyond screens, calculations, assemblies, installed devices, there is the irreplaceable feeling of participating fully in a unique international scientific adventure. A feeling shared by all LAP team members, aware of the challenges of the CTA project and of the commitment of each of the teams involved. La spécificité de cette aventure était liée au fait que il y a eu une participation en première ligne du laboratoire avec tous ses corps de métier. Cela nous a permis aussi de transmettre des valeurs et une capacité scientifique et technique au niveau international. L'esprit d'équipe et l'excellence sont les mots-clés de cette aventure.